Jean-Paul Lame est un jeune homme passionné par le bénévolat. En 2020, il a ainsi été récompensé, raflant plusieurs titres. Mon nom a grandi de Chinatown. Pour moi, le Chinatown m'a encore rappelé. À l'époque, c'était une bonne ambiance. Sa lumière, c'était incroyable. Comme on grandit, on fait mon étude en France, 5 ans en France et 15 ans en Chine. Et on fait un master en gestion financière. Après, on atterrit en Chine, on travaille dans plusieurs domaines. Le premier domaine, c'était l'électricité. Après, on finira dans le domaine de restauration. À l'âge de 29 ans, je suis un general manager d'un hôtel 5 étoiles à Pékin. Okay, ça, c'était vraiment le point tournant de mon carrière professionnelle. Shanghai, je suis dans le domaine de fashion, art et luxury. Ça veut dire que je fais beaucoup d'événements fashion show. Tout mon grand fashion show, je vais faire. Shanghai International Film Festival, deux fois, j'étais le VIP sur le tapis rouge là-bas. En 2010, j'ai ouvert ma propre boîte de marketing, j'ai ouvert ma propre galerie d'art avec mon propre wine bar. Et en fin 2017, j'ai décidé pour retourner à Maurice avec un petit rêve. Donc, mon pays fait le pays-là développer. L'année dernière, et le 8 janvier, m'a fait nommer en Chine le top 10 de 60 millions d'investisseurs chinois dans le monde. Le 10 premier. Dans le top 10 là, ça vient il y a 8 de la danse de toute la rue 80 ans. Il y a juste deux jeunes. Moi, avec un autre appelé Jeremy Lin, c'est le plus grand basketteur de NBA. Okay. Il est le world most paid player dans le monde en 2015. Tout en mangeant Maurice, je suis toujours envie de Maurice. J'ai une vie aussi bien, une vie familiale, une jolie vie, une jolie endroit comme l'île Maurice. Là-bas, je travaille 10 tous les jours, toutes les semaines, 24-7, pas dormi. Pendant le week-end, 100% pendant le week-end, à 100% en Chine, à Shanghai. Maurice, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup de choses qu'il n'y a pas à faire. Je suis arrivé en Chine en 2003. Du monde de la vie, pas de caractéristiques. Et soudainement, moi là-bas, 15 ans, drastiquement, après 10 ans, la ville a complètement changé. C'est vraiment le New York de l'Asie. Du bon travail d'hier. Jour et nuit, du travail et l'ingressier amène ça à ce moment-là comme ça. Jean-Paul Lame s'engage aussi dans des activités liées à la protection de l'environnement et à l'embellissement de la nature. Pour cette année, Jean-Paul Lame a plein de projets en tête. Le changement d'abord, nous bien connaît, c'est-à-dire la capitale de produits. C'est comme dire nous l'équerre. Première action que nous avons fait, c'est action de couleur. Visuellement, te mettre partout couleur, waouh! Maman, prenez la couleur, ça vient dans l'espoir. Première action que nous avons mis. Le deuxième combat nous a amené, nous met beaucoup de poubelles. Après, nous sensibilisons le monde, ramasse même bouteilles de plastique qu'ils ont mis. Nous faisons un gros tangloun, le plus gros de toute l'Afrique, 108 mètres de longueur. C'est une sculpture iconique. Nous mettons de poubelle à tri là, si nous filmons, nous mettons partout un petit peu plus propre. Le troisième combat, nous amène le combat de l'environnement. Partout béton. Nous mettons un petit peu verdure, mais un petit peu au moins nous pouvons respirer. Après, quatrième, nous faisons tous les samedis un live jam. Nous amène la musique. La musique, c'est vibration. Vibration, c'est comme dire, il y a une côte, il fait tout le cœur, ça couille, il donne un espoir. Après, la dernière action qu'il nous peut faire, nous fait faire empowerment jeune. T'as envie d'amener le changement, tu dois être responsable. Tu aussi, tu dois faire. Ce qui te dit, tu dois faire. Tout ce qu'une Chinatown Foundation nous promet, nous réussissons faire. Nous réussissons faire le Chinatown de Maurice, le premier digital Chinatown dans le monde. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de fresques qu'ils ont trouvées, avec le portail de ce canal-là, les digitaliser. Au-delà, nous faisons un art center. Nous pourrons créer un jeune là-ci, ce qui, dans le futur, fait danse, fait chant. Fait beaucoup qui c'est le digital, ok, digital comme mon projet là si. Et je pensais digital, beaucoup de monde pensait mais quelques LED c'est digital, c'est bien aussi. Filmer de vidéo c'est digital, c'est bien aussi, mais nous quand au-delà. C'est-à-dire ben jeune, je quand mis ben petit point, je danser, je peux danser tout seul, après nous quand clone-li. Ça c'est un côté digital. La musique, c'est pas mettre un petit USB, mais la musique de la santé. Nous avons ces ben launchpad, ces ben jeunes là, ils composent la musique instantanée. Après, nous santé, nous collaborons. Conseil, moi, je vous demande, le premier qui se devient actif dans la vie, c'est oser rêver, gagner le caractère. Oser faire. Je ne connais pas un coup de jeune dans l'entourage. Demande, je vous dis, non, je vais essayer. Et l'école, surtout, je vais raser dans beaucoup d'éducation, je vais raser, faire de manière pas faire rire. Je ne connais pas un bon voisin, un bon enfant. Demande, je vais tout gagner, faire rire. De la vie, nous tout faire rire. Mais oser faire rire là, comprendre ça rire là, rectifier là-dedans.